Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle VOD sur Pokémon version noire 2. Nous nous étions laissés dans ce magnifique centre Pokémon. On a Aldé, ce que j'expliquais là. Aldé, il est très énervé. On était en full pexing, on a dit qu'on continuait entre guillemets l'aventure quand on serait niveau 40 partout. Bon, hein, 39, on va pas non plus chipoter, on a peut-être un Ted légèrement en dessous. Mais c'est bien, surtout on a Aldé énervé et ça, ça me fait plaisir. On y va. Alors, on va continuer l'aventure. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit cherche-objet au cas où? Ouais. Oh, je me dégueule dessus. Et ça, c'est bon. Alors, je crois qu'on doit passer par là. Hein. Il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. On avait les dresseurs qui nous fumaient petit à petit. Lui, on l'a fait. On avait fini de pex là. Voyons voir les prochains dresseurs. S'il m'arrache ou pas. Tiens, on va. Alors, lui, bon, il doit envoyer des Pokémon. Oh, ça doit être une catastrophe pour mon LD. Mais j'ai envie de tester. Et on verra. C'est parti. Allez, dis-moi. Ah, t'es dresseur Miguel. Ok, Miguel. Un petit Delcati. C'est une grave erreur, mec. Mais tu vois, niveau 41, donc on, au final, pas si mal. Un piétisol, je pense que ça l'arrache hein, directement, sans cri d'égard. Merci, Boudiou. Merci pour ton prime. Jacayel, j'avais pas vu pour le 8ème mois aussi. Merci, le sang. Pardon, excusez-moi. On a fait un piétisol, ça l'a pas touché. Voilà, je préfère ça. Oh, la berceuse. Attends, merde. J'avais pas vu la trouille, ouais. J'étais en train de regarder ailleurs. Ah, il m'a endormi maintenant. Enfin, il est en train de me mettre tout ce que je mérite. Allez, Aldé, je compte sur toi pour te réveiller. Oh. Berceuse plus attraction. Le combo des connards. Juste envie qu'il se réveille, en fait. Tu vas faire les remakes de Diamant et Perle. Non. Bah, comme l'a dit Kazu dans le chat, je vais... En effet, je vais pas le faire. J'y réponds à l'oral, évidemment, pour que... Les gens qui suivent la VOD le sachent aussi, parce que j'ai la question sur YouTube, dans les commentaires. Mais non, je ferai pas les remakes. Au final, j'ai pris la décision, très difficile, de ne pas faire ces remakes, tout simplement, parce que j'avais fait Pokémon Platine avant. Voilà, et trop récemment, pour avoir envie peut-être de me relancer dans la même aventure, parce que c'est un remaster, c'est pas un remake, hein, c'est un remaster. Donc forcément, ça me tente un petit peu moins. Junpei super, bah Junpei voilà, qui prend son niveau 40. Oh, un petit vent arrière peut-être. Vent arrière. Vitesse de Pokémon de l'équipe pendant 4 tours. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Lame d'air, vol, surf. Non, on prend pas de vent arrière. Pas de ça chez nous. Voilà, on abandonne. Non, Junpei, faut pas non plus déconner. Il y a un moment, faut se respecter. On ne changera pas de Pokémon. Parce qu'évidemment, notre talent nous permet de casser des gueules. Oh, monsieur Lampérois, l'ancien Piper. Petite machouille. En fait, on peut pas faire piétisol et tunnel parce que on est d'accord que c'est le Pokémon électrique qui a l'évitation. Enfin, au massacre là, mais à son niveau, l'Ampérois, je sais pas s'il a. Bon, enfin bref. Là, je sais qu'il se fait casser la gueule en tout cas. Voilà, super. Petite machouille, on n'en parle plus. Ah bah là, ça l'a arraché. Voilà, bouffon. Je pense que je vais enlever Multipec sur la June. Hop. Hop. Alors, Junpei. On va lui enlever. Hop, j'ai prendre. Et est-ce qu'on irait pas le mettre sur Ted en attendant? Je pense que oui. Je pense que ça lui ferait plaisir. Voilà. Ludocario, je vais lui redonner les restes. C'était un fan de restes. La poudre argentée, c'était sur qui? C'était pas sur Chibrax? C'était la puissance des capacités type insecte, donc je crois que c'est sur Chibrax. Donc on est bien, puis le reste on verra un peu plus tard. Flamme. Ok, c'est bon. Descendons. Ça m'énerve déjà là, il y a des herbes partout. Il y a des dresseurs, il y a une Pokéball à récupérer. Ah oui, je me souviens de cet endroit. Ouais. Je crois que dans la maison il y a quelqu'un qui me soigne. Je suis plus sûr à 100%, mais je crois qu'il y a une histoire. Ici on avait un peu, pas galéré, mais c'était pas un moment appréciable pour mon petit cœur dans la version précédente. En version noire tout court, non, j'avais pas kiffé cet endroit. Morpheus. Pilule bleue, pilule rouge. Juste, on va lui mettre la pilule. Machouille, mort. Il est détruit. Le grignote, mort. One shot. Ah, et coup critique. Bah, évidemment. Évidemment. Aldé, qui est à son prime. Hop, peut-être qu'il prend son 39, qu'il prend dans son 40. Ah, mais c'est fini, c'est déjà fini, tu n'avais qu'un Pokémon. Tu es nul. Tu es ridicule, sache-le.
les pêcheurs. Je sais pas si les pêcheurs c'est le bon bail pour pour Aldé. Ah, un Bargantua, non. J'en fais mon affaire. D'ailleurs, c'est ce Pokémon dont ils vont se servir Arceus pour surf, pour voyager sur l'eau, si je puis me permettre. Une petite machouille. Je viens de finir la VOD où ça passe de film de boulard au problème de au problème de la DSL. Ah, c'était une belle VOD. C'est vrai qu'on a discuté de tout, quoi. Ouais, donc c'est bien ça dans Arceus, ouais. Ah, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, hein, pour ceux qui regarderont la VOD, ils ont sorti une vidéo de gameplay de 13 minutes sur Pokémon Arceus. Graphiquement, visuellement, c'est pas très beau, mais c'est un peu vide. Mais il y a pas mal de petites idées qui me régalent. Donc, très curieux de voir la suite, quoi. Les gars, il y a un monde où Aldé, avec ce talent-là, je pense qu'il peut arracher la ligue. Vraiment, je rigole pas. If Aldé commence à tuer des mecs et faire impudence, au bout de deux mecs tués, je pense qu'il est à son prime, il est intuable. Vraiment. Il peut carry la ligue, hein, Aldé. Je sais pas si on s'en rend compte. Spoiler, non. Et juste en dessous, Emmerich me dit oui. Fait plaisir d'être soutenu par une communauté qui est comme ça, toi, main dans la main, quoi. C'est pas... Non, vraiment... On a l'info, quoi. Peut-être. Merci. Tu mets une attaque roche, en plus, il peut vraiment solo la fin du jeu. Après, il a pas séisme encore. Et séisme, je crois, si je dis pas de conneries, encore une fois, c'est 55. Donc, quand il aura séisme, ce sera un moment où on pourra tous hurler. Et un petit éboulement, ça pourrait faire son effet. Hein. Ça pourrait faire le taf. Hein. Allez, Kléber. Kléber, c'est un peu comme Clébar, quoi, au final. Dégueulasse. Boum. Là, il y a moins de remontée. Là, ce serait un peu rocher. J'ai une coupe en bas à mettre. Il y a un dresseur ici. Alors, attendez, avant de faire le tour, je vais aller faire tous les dresseurs sur lesquels on n'est pas revenu. Il y en avait un ici. Non, je veux pas. C'est toi que je veux. J'ai sauté. Bah, merci pour cette superbe flûte blanche. Mais arrête de me parler, merde. Ok. Ok, il y a un trésor ici. Grande perle. Monstre. Il y a un truc avec surf ici, je crois. Ok, le Shove Master. D'accord, superbe. Est-ce qu'on a quelque chose pour moi? Non, rien. Je peux aller faire dodo dans le lit? Non. Cette maison ne sert à rien. Cette maison n'a aucun sens. Je crois que c'était ici que je devais utiliser un... Peut-être surf d'un de ses côtés, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on va juste aller arracher le serveur. On va bien voir sur quel Pokémon on tombe. Hein. Ah, il faut force. Cherche-objet, cette version est tellement incroyable. Ah oui, c'est le meilleur cherche-objet. C'est le cherche-objet... C'est le coat. Cherche-objet of all time. Je pense, hein, vraiment. C'est vraiment le mieux. Tu peux sweep le Psy Ténèbre de la Ligue, mais pas le combat. T'es sûr? T'es sûr de toi? Mec, je pense que t'es un peu trop sûr de toi, mec. Je pense que les Pokémon de combat, j'en fais mon affaire. Un petit tesson rouge. Non, je dis ça, mais je vais me faire arracher. Celui de la 6G est pas mal aussi. 6ème génération. On est d'accord, c'est XY, 6ème génération. Il y avait un cherche-objet, 6ème génération. Je m'en souviens même pas. Ouais, il y en a. Ouais, d'accord. Tiens, en parlant de zinc, là. Mon zinc. Messieurs, dames. On a pas mal d'objets qu'on peut utiliser. Je crois, tu sais, les PP+, les protéines et tout ça. Qu'est-ce qu'on se fait là? On fait un petit point. On a une protéine, on a deux calcium, on a quoi? On a du carbone, les carbones qui montent la vitesse. Et on a du zinc pour la défense spéciale. Sur qui on part? Déjà, on peut commencer. Les PP+, on verra plus tard. Mais protéines, l'attaque de base. Sur l'attaque de base, on peut... je me demande, c'est qui on peut... C'est l'attaque, c'est du physique. Attends, je peux trier le sac, oui, pardon, tu as raison. Hop, c'est trié par catégorie, par catégorie peut-être. Ouais. Voilà, là au moins on est tranquille. On a tout, on a l'élixir, on a la folie. Protéines, la vitesse sur Aldé. Vous pensez qu'on doit mettre la vitesse sur Aldé?
Est-ce que vous êtes partisan du je prends un Pokémon, je prends son atout majeur, par exemple il est très fort et il a beaucoup de speed, et du coup je continue d'augmenter sa speed, ou plutôt un Pokémon à qui il manque de la speed, on va lui en mettre pour équilibrer. Speed attaque sur Aldé. L'attaque de base, je pense que ça c'est vraiment bien. Les protéines sur Aldé. Oui, l'atout majeur. Ah mais du coup l'atout majeur d'Aldé c'est pas la speed quoi. Les EV équilibrent déjà, d'accord. Bah du coup Aldé tape fort en physique, donc il vaut mieux monter l'attaque d'Aldé je pense. Très bien. La défense spéciale, ça je sais pas trop à qui le mettre. Carbone, c'est la speed. Attends, mais on avait pas un truc qu'on avait en x2. Ah, le calcium. L'attaque spéciale. Par contre, le spécial. On est d'accord que le spécial, j'ai Moustillon qui est sur le physique. Physique ici. En fait, j'ai que du physique à part Ted. Je crois. Hein. Chibrak, ça doit être du spécial aussi, non? Mais vaut mieux peut-être monter Ted pour le spécial. Ah, vous mettriez le. Balance ton dresseur, le dopage. Dopage, ce fléau. Chibrak, Ted. Non, Junpei oublie, il est vraiment à chier. Quoi, Junpei en spécial? Mais vous êtes taré. Non, mais Junpei, tout le monde m'a dit que c'était à chier ce qu'il faisait de toute façon. Chibrak, c'est un meilleur choix. Sur Ted, la défense P. Ok, vas-y. On va monter l'attaque P de Chibrak. Ça marche. Le zinc, c'est la défense spéciale. On va la mettre sur Ted, du coup, la défense spéciale. Pour qu'il tanque un peu. Je suis en train de me dégueuler dessus. Hein. Ah, je vais faire ça. Chibrak, c'est une bonne attaque speed de base, d'accord. Vas-y, on va faire ça. Ok, le zinc. Et la speed, par contre. Coucou, toi. Coucou, Lubiscotto. Lubiscotto. Merci pour ton quatrième mois. Par contre, la speed, j'ai personne de très rapide en vrai. Je crois que mon Pokémon le plus rapide, ça doit être. Bah, vous savez quoi? On va le voir tout de suite en fait. Mon Pokémon le plus rapide, c'est. Non, là, à vue d'œil, je saurais pas dire. Attends, pardon. La speed 104 71. Ouais, c'est Junpei en fait. Junpei c'est le Pokémon. Putain, vous imaginez que Junpei c'est le plus rapide en fait. Attaque spé 79. Oh, j'ai bien fait de pas mettre du spécial sur Junpei hein. Ça aurait été catastrophique. Non, le spécial est très très bien sur monsieur ici. Et sur Ted. Bon, en vrai Ted et lui c'est des valeurs sûres. Attaque 113. La 141. Ouais. Lui il va pas rigoler. Mais est-ce qu'on monterait pas un peu la speed? Moi je monterais sa speed. Je monterais sa speed en vrai. Parce qu'Aldé faut qu'il joue en premier. Il a une speed de base qui est pas ouf, mais qui est pas non plus la pire de tous les temps. Mais ah bah Lucario c'est hyper lent. Je suis choqué, moi je pensais que c'était rapide. Lucario, je peux choper un meilleur Pokéo maintenant que tu es dans la zone à droite de la map. Il y a des Pokémon cool ici. Ouais mais c'était pour vol. Donc, ne lui donne pas d'objet à Junpei, c'est sûr qu'il le fait. Oh le bâtard. Je vais pas lui donner de téléphone en tout cas, c'est sûr. Tu dois avoir des IV de merde sur Lucario. Bah, c'est possible. Hein. Après, on joue le mode aventure donc. Aldé. Vas-y, allez hop. Aldé, on va lui monter sa speed. Comme ça, on est pépouze. On est très bien. Je voulais juste vérifier si on avait. Donc, on a frustration, larcin, dégommage. Bonsoir, c'est pourquoi? T'étais sage? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'oppresse? T'as mangé? Oh, t'as mangé du ketchup? Qu'est-ce que t'as mangé avec du ketchup? Waouh! Mais tu pues de la bouche, toi! Mon dieu! T'as failli faire tomber mon casque! Bah oui, tu t'es cogné à la tête. Attention, Wartek. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas faire dodo, ça y est, c'est l'heure. T'as mangé quoi? Oh, Julio! T'as mangé quoi? Allo, y'a quelqu'un là-dedans, t'as mangé quoi? Mais t'as mangé quoi? Non, mais j'ai compris, mais tu as mangé. Sans mon haleine putride.
Attends, vas-y, on fait. C'est ma femme qui a eu... Ma femme a eu plus peur que ma fille. Allez, fais un bisou, mon père. Bonne nuit, à demain. T'as sursauté, c'est grand mort. Ah bah tu sais, je suis avant tout comédien. Oh là là là. Les histoires. Le jour où tout a basculé, l'acteur. Par contre, no joke que ma femme a sursauté. Elle a fait ça. Oh, je suis bon. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont sursauté un petit peu de ce jeu d'acteur? Ah, je suis assez violent, quoi. Ah, je suis un farceur, je suis un pranker. Écoutez, c'est... Moi, j'adore rire, de toute façon, donc... c'est ce que j'aime. Ouais, non, pas du tout. Bon, ça va, alors. Il y a des gens qui ont... Bizarre, le mari. Mari un peu chelou. Ton mari, il fait quoi avec tes gosses? Il fait semblant de s'évanouir, il se met à hurler. Trop cool. Ça a l'air d'être une vie équilibrée. Il a toutes ses cases allumées, ton mari? Oui. Oh, je te jure. Bon, allez, bah, on va reprendre là où on en était sur quelque chose de plus sain, de plus serein. A.K.A. Pokémon. Attendez, je relance mes merdes, là. Putain. Allez, farmer là, les bombes crypto, là, allez-y. Oh, j'ai une prison, j'avais pas vu. Oh, les amis, c'est énorme. Attendez, mais il faut que j'envoie une photo à... Bon, pour ceux qui comprennent pas sur bombes crypto, mais il faut que j'envoie ça à Jumpé. Jumpé, il va être deux fois sur le même compte. J'envoie une photo à Jumpé, bougez pas. Attends. Vas-y. Ok. Vas-y. On a peut-être... La chatte, ouais, bah, je sais. Ouais, c'est la troisième qu'on a, la deuxième sur ce compte. Où est Jumpé, il est là. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Oh là 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 là. Sur le... Voilà, il va être content, on va voir ce qu'il me répond après. Non, pas sur mon compte perso, je n'ai jamais rien eu, quasi. Je peux aller me faire foutre sur mon compte personnel, si tu vois ce que je veux dire. Oh, il y a des news qui donnent le smile, mon cher ami. Oh là là, tu as été whitelist sur un play to earn? Non, j'ai jamais été whitelist de ma vie sur des play to earn, malheureusement, c'est très compliqué, hein, d'être whitelist, faut soit être dans le bail, soit faut avoir de la chatte, quoi. Alors j'étais en train de vérifier si j'avais... Non, avec la troc, c'est un peu éclaté, hein, comme son nom l'indique, je suis pas très fan, et on a vraiment rien en... On a vraiment rien en roche. Bon. Non, y'a rien qui m'intéresse. Rien qui m'intéresse, on va rester comme ça. Ok, on trace. Donc ça, c'est bon. Là, je peux coupe, mais à quoi ça sert, globalement? Oh, merde. Personne a coupe? Je n'ai pas de coupe. Oh, j'espère que j'ai pas besoin d'avoir coupe pour continuer l'aventure. Là, faut pas avec la troc, non? Non, y a rien à y faire. Ok. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un Pokémon? Trop bizarre! Attends, est-ce que je peux pas passer par là? Je vais aller voir. Très bizarre. Cobaltium. Ah oui. On l'avait déjà vu, non? C'est la deuxième fois qu'on le voit, Cobaltium. C'est pas lui qu'on avait vu la première fois? J'avais posé la même question. je me trompe. Avec Zary, ouais, on est beaucoup sur tous les play to earn qui existent. Ouais. Tu as des Pokémon? J'ai pas beaucoup de Pokéball, mais j'ai la possibilité de sauvegarder juste avant, on sait jamais. Ok. Pokémon Ranger! Tu vas m'envoyer un Rebranner? Oh non, oui, c'est ceux qui jouent à 3. Oh, mais c'est parfait! Oh, mais c'est bien sûr! Eh oui, bien sûr! Non, on va faire ça. Là, si je fais un piétisol, normalement, le pyroli se fait casser la gueule. Voilà. Là, on va changer de Pokémon pour prendre Jumpé, qui, lui, ne prendra aucun dégât.
et qui attaquera sur la droite. Et lui, il va aller mettre un petit danse-flamme. C'est mort. Non, même pas, pas un danse-flamme. Il va mettre une petite tornade sur Pyrrhoni. Hop, voilà, reviens. Comme ça, on est bien. Là, on est pas mal. Regardez bien. Piétisol, il va aller arracher le serveur. Ouais, Vibranif, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est Pyrrhoni. Normalement, ça le one-shot. Superbe. Nickel. Comme ça, il prend son impudence. Ça partage pas mal d'XP là. Vraiment, là, il y a la moitié de la terre. Tornade, normalement, ça devrait lui casser la tête. Je pense que ça se. Ah, one-shot pas quoi. En même temps, c'est vraiment pas très fort. Hein. Oh non, il me sécrète. Il m'envoie du spell mat. Bien joué. Oh, c'est beau le niveau aligné. J'avais pas vu 50-40-40. C'est très très beau. C'est beau un monde qui joue. Ok. On va envoyer une machouille. Une machouille sur Freeborn Nymph. On va envoyer une lame d'air sur Vibrana. Et on va envoyer une tornade sur Pyrrhoni. Et je crois qu'on est, on est carré. On est dans l'axe. Oh bah super. Ah, il est trop fort. Comparé à ce jeu, Pokémon Arceus est vraiment bien. Ah, t'as des infos qu'on n'a pas sur Pokémon Arceus? Tu l'as déjà fini? C'est quoi ce manque de respect pour... Sans ce jeu, tes autres Pokémon n'existeraient pas, man. D'accord? Donc calme-toi, ok? Je sais pas ce que c'est. Coup de jeu. Oh, oui, 80. Oh, c'est sur le spécial. Oh, oui, c'est fort. Un flamboiement d'extrait frappe tous les Pokémon autour du lanceur. Peut aussi paralyser. C'est vraiment fort, ça. Ah, bien sûr qu'on oublie une capacité tous les jours. Est-ce que vous pensez qu'on enlève point éclair du coup, puisqu'il tape sur le physique, pour avoir que deux trucs qui tapent sur le spécial, dont un qui me permet de swap, et rayon gemme, je trouve ça bien de garder une capacité qui se tape bas certes, mais qui peut être un peu différente quoi. 30% de chance de part en plus, mais c'est hyper fort. Oh, on enlève point éclair, on enlève point éclair. D'accord, d'accord. Ok, ok, bah, vous avez le même avis que moi, je vois qu'on est, hein. On est relié. On est sur la même longueur d'onde. Bon, par contre, XP, elle est gâte, elle est dramatique. 100 d'XP, ça n'a aucun sens. On se fout de la gueule du monde. Là, elle va me parler, elle m'a dit oh, bravo. Petite Bécitrus, merci. Honnêtement, merci pour cette Bécitrus. Une petite huile max. À deux doigts de me faire bait et c'est un Pokémon. Non, c'est bon. T'es son bleu. Moi, je suis sur le tour. Et je rappelle encore une fois, c'est vrai que bon, je l'ai déjà dit 15 000 fois, mais je sais que les gens n'arrivent pas au même instant à chaque fois. Je joue sur Deathmew, émulateur DS classique. D'ailleurs, vous savez, je n'ai jamais joué. Je vais peut-être vous choquer. Oh, un petit Solarock. Je n'ai jamais joué à un professeur Layton de ma vie. Et je sais que c'est des bons jeux DS. Et je me dis, pourquoi pas m'en faire un de ces quatre. J'y pensais la dernière fois parce que l'avantage de Deathmew, c'est bon, bah, tu peux tout faire quoi. J'ai jamais joué à Professeur Layton et on m'en dit que du bien. Et je me dis, bah, est-ce que je devrais pas pas faire ça, hein, C4? Est-ce que je dois pas sauvegarder là maintenant, au cas où? Non, du tout, mais ça se trouve facilement sur Gold, de quoi. Ah, pour l'instant, non, mais tu tapes Deathmew, tu vas trouver. Hein. Ah oui, oh, je savais pas, Kazu, que tu étais un fan de Professeur Layton! Dinguerie absolue. Est-ce qu'il va s'envoler? Il va s'enfuir, je suppose. Cobaltium. Ah mais c'est... Ah d'accord. Donc on affronte un légendaire directement comme ça. Mais what the fuck. Mais attends, mais je n'ai jamais vu ce Pokémon de toute ma vie. Moi j'avais pas vu Crido, tu m'avais dit when la calve play to earn. Cobaltium. Alors, c'est le Pokémon après Pyrex 638ème. Il y a Cobaltium. Ah mais il y a d'autres Pokémon. Cobaltium, Terrakium, Viridium. Ah non, c'est... Il forme avec Cobaltium, Terrakium et Keldeo les lames de la justice. C'est trop bien.
c'est excellent. Quel déo? Mais je me souviens de quel déo. Quel déo, c'est pas un légendaire, c'est un fabuleux, il me semble. Alors, quel déo? C'est un peu comme un fabuleux de type eau et combat de 5ème génération. Quel déo, je le connais uniquement avec Smash à la base. Quel déo, je trouve stylé ce Pokémon. Et depuis Pokémon Noir 2 et Blanc 2, il peut changer de forme. C'est trop stylé. Ah, j'aime bien quel déo. Quel déo, je trouve ça stylé quoi. Le Quatrior Mousquetaire, ouais, c'est, ils sont les 4 mousquetaires là pour le coup. Ok. On va essayer de le calmer directement. Vengeance. Ok, bro. Mushui. J'étais Mushui. Oh merde. Je vais tenter comme ça. Ok. J'ai Rapid Ball, Chrono Ball, Hyper Ball. Mais moi, je suis un mec de l'ancien temps. La Pokéball suffira. Je le capture. Quoi? C'est un scandale. C'est un scandale, je suis désolé. Ok, bon, il m'a lavé. La cote, il y a une cote. Attendez, vous avez... Ah, vous avez bête. J'avais pas vu, j'avais même pas... Oh, la cote. Capturé en une Pokéball. Ah oui, d'accord. Mais... la cote était à 41,46. Autant te dire. Ouais, alors, mais ok, j'avais pas vu. On va essayer un autre Pokéball. J'avais pas vu. Attends, j'envoie Moustillon. C'est gratuit. Est-ce que je lui mets quelque chose ou pas? J'ai peur de lui mettre une attaque et de le tuer quoi. Oh non, c'est super efficace. Stop! Stop! Arrête-toi! Je t'en prie, je t'en supplie! Ok. Merci Seragonia, mon frérot de la vie. 19 mois, merci mon Sera. Bon, c'est vrai qu'il apparaît quand je parle de la calve play to earn. Bizarre le bail. Bizarre. Les amis, j'ai un mec rapide. Rapid ball. On va penser à abuser d'où il sort là. Rapid ball. Pas très efficace, midlife. J'utilise Rapid Ball. Je suis persuadé que ça va le capturer. Là, ici, maintenant. Maintenant, Rapid Ball. Utile qu'au premier tour, t'es sûr? Regarde. Une fois, deux fois. Regarde, deux fois. Putain! Ça va, toi? Ok. Ok. Je sais pas. Merci les attentes. Gros bisous mon Gige. Big 1 à toi. Et à vos médias pour ne pas avoir embauché. Quoi? Je ne peux pas lire la suite. But what the fuck? Are you trying to make me in the sauce? Merci pour ta généreuse donation. Super Bowl. Et c'est sorti de suite. Ça m'énerve par contre. Est-ce que je vais réussir à le capturer? Capture avant 19h10 inclus. Ok. Je me dépêche. Là c'est pour le taux. Hein. C'est pour les allopièces hein, que je fais ça. Une. Quoi? Il sort même avec une hyperbole, mais ça n'a pas de sens. Est-ce que j'ai le droit de axe? Ceux qui jouent la cote. Cobaltium. Run friends. 1, 2, 3. Let's go! Whoa. And I will always love you. Aïe aïe aïe.
Non, tu fais pas toi. On y a tous cru. On y a tous cru. Chibrax. Il est quelle heure? 19h08. Ok, fuck mate. Fucking fuck. Fucking fuck me. You want to fuck me, man? Après, je peux masterball, hein, mais. Je peux masterball et là, ça va vite fermer sa gueule. Hein. On est encore ardent? J'avais oublié! Mais non! J'avais zappé le corps ardent! L'erreur! L'erreur de débutant! Attendez! Hey, 19h10, c'est pas fini! 19h10, c'est pas fini! 19h10, c'est pas fini, c'est 19h09. C'est 19h08, c'est pas fini. Le bet est pas terminé. Le bet est pas terminé, on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Moins d'une minute. C'est Pokémon. Pardon. Ok. 10h10. Ok. On peut le faire. Ah, vous inquiétez pas. Oh, je comprends pas, le jeu va super vite. Quoi? Il est... Rapide ball, elle est où? Hey! Ah! No! Fuck, mate! Ok, c'est pas fini, hein. C'est 10 inclus. Hein. Hyperbole. Dès que ça passe à 11, c'est plus valide. Oh, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Le jeu va super vite. Mais what the... Il est paralysé. C'est abusé, non? Ah, il sort. Chier. Attendez, c'est pas fini. Moi, c'est 19h11. Mesdames et messieurs, c'est 19h11, c'est fini. C'est fini, je peux plus vous mentir. Je peux plus mentir. Le bet est over. Après, quelle idée d'avoir mis ce bet là aussi. C'était quoi? Oui, putain, j'avoue, la cote était à 3,76. Hein, c'était propre. Après, tu peux refaire un bet. J'en ai marre d'y croire. Tu peux refaire un bet pour savoir si je vais le capturer avec une Pokéball et j'ai que 9 Pokéballs. On va voir si les gens y croient. Là, il est dans les meilleures conditions possibles. Si tu veux refaire un bet, vais-je le capturer en 9 Pokéballs? Il y a peut-être des gens qui peuvent se mettre bien. Après, je dis ça, je dis rien. Mais j'ai plus de sous de quel bet tu parles. Ok. Capturer avec une Pokéball classique. J'en ai que 9. C'est possible, hein. Je veux juste voir la cote qui évolue au fur et à mesure. Oui. Oh, il y a beaucoup de gens qui disent oui. C'est ouf. Il y a tellement de gens qui disent capture avec une Pokéball classique. Oui. Oh, c'est incroyable, les gens croient en moi. J'en ai 9, hein. ça va jouer la cote, ça va jouer la sécurité, le nom qui reprend très très vite l'ascendant. on sait jamais. Franchement, les gens y croient. Il y a beaucoup de believers, comme on dit dans le milieu. Putain, et vous savez que le oui, c'est du 50-50? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, la cote est à 2 quasiment des deux côtés, quoi. Je suis très très surpris. Beaucoup trop de oui pour ce bet. Je pense que les gens se rendent pas compte, mais soit, c'est parti. Première Pokéball, on y va. C'est l'émotion. Pokéball 1. Ah ouais, vous a fait vibrer un petit peu. Quand tu l'as vu bouger comme ça, tu t'es dit ah gars, bizarre l'ambiance.
J'ai tremblé. Ça a tremblé un petit peu. Ok, ok. Putain, mais Chibrax peut pas le sortir, gros. C'est une catastrophe. Hein. Chibrax, if Chibrax, alors Cobaltium mort. La Pokéball de notre vie. Deuxième Pokéball sur la. Oh fuck. Petite vengeance. Zéro dégâts. Aïe aïe aïe, on a plus envie d'y croire, j'ai l'impression. Comme une impression de plus envie d'y croire. Oh là là, madre mia. Merci pour le sub, Diaxé et Rastafarsama. Merci beaucoup. Oh là là! C'est très très dur hein, ce qui se passe. C'est très très dur. Pas eu le temps de rattraper la dernière VOD, mais je passe en coucou avec de la force. Bonne soirée les refs. Merci en tout cas, mon petit Rastafarsama. Merci frérot. Tu verras que la dernière VOD est assez costaud. Elle est filandreuse. Une fois. Deux fois. Ça veut pas aller aux deux. Il faut que je fasse fait bas plus A plus B. C'est vrai que j'ai oublié. J'ai pas fait A plus B plus bas. 4 Pokéball. Là, les amis, il reste 4 Pokéball. Là, Ça semble infaisable, quoi. Oh là là, il meurt. Ok, je vais essayer B plus bas. Ça peut peut-être faire la différence. La musique qui te stresse pas du tout. 3 Pokéball. Une fois. Oh, il sort de suite. Deux Pokéball. Ah, y'a plus de suspense. Y'a plus de suspense, mesdames et messieurs. This is the last Pokéball. C'est la dernière, hein, parce qu'après il me reste Filet Ball. Aïe aïe aïe, ouais, non, mais là c'est fini. Hein. Là, c'est... Oh merde, j'ai fait une Chrono Ball, merde. Oh non, je me suis gouré. Oh la débile. C'est bon, on a eu peur. Le mec, il veut faire durer le suspense. Oh non, attendez, non, quand même, je vais pas. Oh non, deuxième fois que je fais une chrono. Non, deuxième fois que je fais une chrono ball. Oh gros, mais je suis un débile. Fouf, heureusement, il sort. Non, arrêtez. Bon, on va faire une Pokéball. Putain, non, ça suffit, quoi. Ça suffit, les conneries. Ok, jumpé. Une Pokéball. C'est parti. C'est la Pokéball de votre vie. Oh non, bro. Oh non, abusé. Oh non, je suis désolé. Désolé, c'est pas passé. Merde. Putain, j'ai tout essayé pourtant. Il y a eu 0 suspense. Non mais gros, même l'hyperbole, il sort en perma, il est insupportable là. Merci à Thème pour le deuxième mois. Salut GG, comment vas-tu? Une petite question. Quelle est la manette que tu utilises? Si tu en utilises une, l'as-tu trouvé? Mon message, je ne l'ai pas mis ici. Comment ça, de quoi? La manette là pour jouer là? C'est une manette Xbox? Xbox filaire à l'ancienne. Capture avant 19h20 inclus. Ok. Rastafari!
Oh la lame sainte. Oh non, oh l'erreur. Attendez. Parce que là, du coup, il faut que son statut. Il faut que j'utilise un rappel sur. Parce que sinon, vous savez très bien ce qui va se passer. C'est dur. Il faut que je soigne, il faut que je soigne. Soin, une petite super popo. Parce que sinon, en fait, ça va être l'autre et corps ardent et tout, et tu connais la chanson quoi. Ah, oh, il me met l'âme sainte. Ça me tue pas, ça me tue pas, ça me tue pas. En fait, c'est chaud, les gars, il faut que je me soigne quoi. C'est le tanker quoi. Ouais, corps ardent, il va mourir sinon. Ah, oh, fait chier, mais il est paralysé le connard aussi. Nous emmerde. Oh, tant pis, je suis obligé de tenter, les gars, je suis obligé de tenter. On va perdre trop de temps. Deux. Oh. Oh, toi. Alors. Oh, 19h19, mesdames et messieurs. Alors, peut-être. Yes. Oh, la cote, attends, je vois, la cote, elle doit être ahurissante. Non, à 84%, le oui, la cote était à 6,15. Il y a quelqu'un qui se met gougou, titi, gouti. Oh, la cote de malade. Oh, la cote de malade. Oh, ça va se régaler dans le jeu de la calve. Ça va pouvoir dépenser des packs en veux-tu, en voilà. Je suis Blindax, Emric à son prime. Oh là 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 là. Eh bien, on y arrive. Il suffisait de faire confiance. Il fallait believe. Le believe. Believe, man. Ah, Cobaltium, le Pokémon à cœur de fer. Un corps et un cœur en acier trempé, jadis au service de la défense des Pokémon blessés par les humains. Je l'ai. Oh, je l'ai à moi. Oui, c'est bon, ça. Plus 35K en pariant 4600. Oh, là, tu t'es mis bien, là, mon salaud. Un surnom à Cobaltium. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser Cobaltium au final? Parce que je connais. J'ai même pas regardé quel type il était, le man. En étant très honnête. Cobaltium, il est où là, Cobalt? C'est acier et combat. Acier combat, ça vaut le coup? Non, vraiment, non, ouais. Bah, j'ai déjà Lucario, quoi. Je préfère Lucario, moi, personnellement. Sans faire le mec, hein, mais... je vais pas lui donner de surnom. On va le laisser tel quel. Voilà. Voilà, on l'envoie. Mais c'était un beau combat. Par contre, la cote à 6, quoi. Ça fait plaisir. Récupérer, par contre, je suis sous l'eau, si je puis me permettre. Il faut que j'aille soigner, mais... Ah non, me dis pas qu'elle veut se battre, hein. Je t'en supplie, hein. C'est Bianca. Super Bianca. Tu nous emmerdes, Bianca. J'ai essayé d'utiliser vol pour te rattraper et ça a bien marché. Merci pour le coup de main. On m'en random verse en continuant tout droit depuis entre là, ce qu'on arrive à Janusia. Tu connais Janusia? Mais avant, j'aimerais que vous écoutiez une histoire. Oh, va nous raconter une histoire, c'est incroyable. Une histoire chic, j'adore. De quel genre? On ne s'excite pas. Un peu de silence et suivez-moi. Ok. Déjà, tu me parles mieux par contre. Vraiment, parle-moi mieux. On n'est pas des potes, quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est là pour écouter la vieille histoire d'Entrelasque. Mais tout à fait. Faites-nous donc rêver. Suivez-moi. C'est une petite vieille. Donc, suivez-moi. Je vais vous raconter cette histoire. Jadis. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Une histoire passionnante, j'imagine. Derrière la ville, il y a un énorme cratère. La grotte cyclopéenne, qu'on l'appelle. Oh, vous savez quoi? Près de cette grotte, on a enregistré des températures de moins 50 degrés! C'est Tyrène qui l'a dit! Le passage est complètement bloqué. On ne peut pas y aller. Faut le dire si ça vous intéresse pas, mes histoires. Bon.
le cratère, il paraît qu'il a été creusé par une grosse météorite tombée du ciel il y a très très longtemps. Et on dit qu'un monstrueux Pokémon était caché à l'intérieur. Une météorite ? Un monstrueux Pokémon s'approchait du village à la nuit tombée pour enlever des gens et des Pokémon pour les dévorer. Et quand il apparaissait, un vent polaire se levait, faisait un froid à glacer le sang, littéralement. What the fuck, man? Hein? Les Pokémon peuvent manger les gens? Quelle question! C'est pour ça que les gens ont construit des remparts et que la ville est fortifiée pour empêcher le monstre d'entrer. Et selon la règle du village, il était interdit de sortir après la tombée de la nuit. Voilà! Elle était pas bien, mon histoire, sale fils de pute. Pardon, oh là, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, oh, enfin, si t'es pas joli, sois au moins poli, minimum. Calme-toi. C'était vraiment très intéressant. Merci pour ce conte. Je pense pouvoir en faire bon usage dans mes recherches. Ah, waouh. Sur ce, au revoir, tout le monde. Sur ce, au revoir. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Un petit coup de mon mignon avec la voix de mémé. Ah, c'est vrai que j'aurais... Alors, mon mignon, tu veux une histoire? Bien sûr, mon mignon. C'était vraiment très intéressant, un Pokémon inconnu mais à la force phénoménale. Ben oui, s'il pouvait tout geler, il devait être aussi fort que les dragons légendaires, mon mignon. Mais c'est que tu as raison, Bianca. Le mec se perd dans les voies, il ne sait plus ce qu'il fait. Ça me fait penser à la foudre de Zekrom qui a ravagé Unis il y a très longtemps. D'ailleurs, interro-surprise, GG. Tu te souviens de l'histoire de Zekrom? Putain, si je dis non, elle va me la raconter. Non. Ah, Gigi, je t'en avais parlé! Arpentière, pourtant! Zekrom, donc. Un Pokémon dragon légendaire qui prête sa force à celui dont la soif d'idéal le rend digne d'être reconnu comme un héros. Enfin, c'est pourtant clair! Son corps est noir, comme le Jaïs. Le G, c'est quoi ça? Jaïs. Variété de lignite dure d'un noir luisant qu'on peut tailler, polir. Le jaïs, ou jet, je sais pas comment on dit, est une gemme fossile formée par l'action de la pression océanique sur une roche sédimentaire composée de restes fossiles de plantes. Mais écoutez, on se couchera moins con. Ça se lit jet, le jet. Alors, je ne savais pas. Écoutez, on en apprend tous les jours grâce à le J-Stop. On apprend tous les jours grâce à Pokémon, mesdames et messieurs. Son corps est noir comme le G et il peut déclencher de terribles orages. Professeur, dites, vous pensez que c'est un rapport avec les histoires de la vieille dame? La météorite. La météorite. Ah, Zekrom a ressuscité depuis le galet noir, n'est-ce pas? Et si la météorite de la légende était une pierre du même type? Qui plus est, des relevés font état de particules similaires à la tour Dragospire, où se trouvait Zekrom, et à proximité de la grotte cyclopéenne. C'est un indice assez ténu, mais à ne pas négliger. En tout cas, c'est un Pokémon super fort! Pourquoi il sort que la nuit, par contre? Il est vraiment pas beau? Ou il aime pas la lumière? Ouais, dis donc, bah attends, calme-toi! Ah, mais si on ne cherche pas, on ne risque pas de trouver, Bianca. D'ailleurs, le nom d'Entrelasque ne viendrait-il pas de cet épisode? Cela évoque l'Entrelac comme un grillage ou une protection. Et la ville est entourée d'un mur. Bizarre, bizarre. Bien! Mais je dois commencer à vous pomper l'air avec mes... Bon, je t'en prie, je t'en supplie. Nous n'en sommes pas à ce niveau-là d'intimité. Avant de pomper qui que ce soit, je te prie de me... de me laisser tranquille. Pokémon, c'est très bizarre, hein, des fois. GG, pense à poser des questions à Watson à ce sujet. Bien sûr. Mon cher Watson, j'ai du travail de terrain qui m'attend. Enfin, surtout Bianca, n'est-ce pas? Oui, professeur. Allez, cassez-vous. Watson entraîne ses Pokémon en se battant à main nue contre eux. Pardon. Il en met 2-3 patates, les Pokémon qui se font tabasser par le man. Oh, le malade. Oh, le grand malade. Est-ce que mes Pokémon sont toujours tous morts? Tous morts. On va aller les soigner, hein, quand même. On a un minimum de respect. Voilà. Par contre, ça choque que moi que le mec entraîne ses Pokémon à main nue. Je vais entraîner mes Pokémon. Ouh, tiens, bouffon, tiens.
deux, trois patates. Bah les amis, je pense que là ça fait 50 minutes, on va mettre un terme ici, à défaut d'avoir, on va réguler un petit peu, hein. On a eu des VOD de 1h50, on va se permettre de faire un truc un peu plus concis cette fois-ci, mais on a quand même capturé du légendaire et ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette partie de ce Let's Play Pokémon version noire 2, hein. On passe à chaque fois un moment. Petit rototo, c'est pour moi hyper agréable. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. N'oubliez pas le like, le commentaire, de vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Et si le cœur ne vous en dit pas, allez vous faire foutre. À très bientôt. Au revoir. Clin d'œil.